désirons que toi, Jésus. Nous ne désirons que toi, Seigneur. Nous ne désirons que toi. Nous avons soif de toi. Nous ne désirons que toi. Nous ne désirons que toi, Jésus. Nous ne désirons que toi. Nous ne désirons que toi. Sois élevé, roi des rois. Alléluia. Reçois la honneur. Reçois la gloire. Reçois nos acclamations. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour cette troisième, sur notre deuxième journée. Alléluia. Amen. La grâce déborde. La grâce est débordante. La faveur est débordante. Nous allons régner par Jésus-Christ. Amen. Par la grâce. Alléluia. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans ce siècle, régneront par Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous fasse la faveur de savoir saisir toutes les grâces qu'il nous envoie. Et depuis hier, le premier jour, nous avons ouvert par un temps d'adoration, de contemplation. Le lundi, hier, nous avons été bénis. Amen. Les cinq ennemis de la grâce qui ont été bénis par ça. Le repos de la grâce. Amen. Le mystère, ou bien le mystère de la grâce hier soir et ce matin. Amen. Un homme de Dieu dans la vie duquel la grâce de Dieu opère fortement. Alléluia. Moi, je sais que vraiment on réalise tout. On est sauvé, on réalise tout. Tout par la gestion de la grâce que Dieu nous fait. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous marchons, nous vivons, nous faisons des exploits à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Et ce matin, pour continuer à nous parler de ce merveilleux don que Dieu accorde à ses serviteurs, à ses servantes, la grâce, nous avons sous vos acclamations ce frère, cet ami, cet homme de Dieu. J'aime tellement l'écouter. Alléluia, nous recevons sous vos ovations le pasteur Marcelo Tounassi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons déborder en acclamation pour Jésus? Amen. C'est toujours un honneur et un privilège d'être à Vase d'honneur, être à la SPAC. Et je suis comblé de joie d'être à nouveau là. Chaque fois que je commence mes voyages internationaux, je commence ici. Merci au Seigneur pour sa grâce qui nous donne la vie. Merci au Bishop Sanogo, à Maman Liliane, son épouse, et à toutes les églises Vase d'honneur. Merci pour votre hospitalité. Nous sommes vraiment chez nous. Amen, hein? Chez nous, et vous nous inspirez beaucoup. Comme je le dis toujours, il fut un temps dans mon ministère, je me contentais de faire mes bons cultes à l'église, point barre. Quand je suis venu à ICC, arrivé à ICC, je suis venu ici, et j'ai vu comment vous vous déployez pour Jésus. J'ai dit, je veux aussi cette même grâce. J'ai copié. Prochaine, nous serons au stade Tataraf Martyr des Martyrs, un stade de 80 000 places. Mais j'ai vu tout ça ici. Quand j'ai vu mon frère réaliser ces grandes choses, j'ai dit Dieu peut le faire aussi avec moi. La grâce aussi se contamine. Amen. Et pour que la grâce d'un homme de Dieu te contamine, tu dois apprécier ce que Dieu fait dans sa vie. Alléluia.
Perdre ton temps à critiquer ce que les autres font ne te contaminera pas. Jamais celui qui est arbitre, qui donne des cartons rouges, des cartons jaunes, n'a le ballon d'or ni le soulier d'or. Les gens qui passent leur temps à critiquer, corriger les autres, ne font jamais de grandes choses. Tu seras un bon sifflet, mais jamais un ballon d'or. Dans la dimension de la grâce, il faut l'appréciation, le respect, l'honneur, et tu seras contaminé. Si tu aimes la grâce que j'ai, elle viendra sur toi. Alléluia! Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec une forte équipe qui vient de Kinshasa, qui vient de l'Europe, France, Belgique, Allemagne, Sénégal, ils sont là. Soyez les bienvenus à la SPAC. Et je suis venu avec un musicien, un adorateur qui est aujourd'hui une bénédiction pour le corps du Christ au Congo. Et même à Abidjan, il vient maintenant beaucoup à Abidjan, Daniel Banam. Il va célébrer le Seigneur avant qu'on apporte la parole. Jésus, nous croyons que tu es en ce lieu. Nous croyons que tu vas nous parler, que tu veux nous parler. Dieu fondement de mon être, coule des rivières, des eaux de la vie, et que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi.
Mais de ce que tu es pour agir. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce incommensurable. Merci Seigneur Dieu de gloire. Oh Dieu, je te prie de nous parler, de bénir Seigneur cette conférence, qu'elle soit différente, qu'elle soit glorieuse, qu'elle soit particulière, ô Dieu, que ce pourquoi tu as ordonné ces assises arrive parfaitement, ici et dans toute la francophonie, au nom de Jésus. Bénis les églises vases d'honneur, bénis Seigneur la SPAC 2024, bénis ta parole, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Merci. Daniel aura le temps de plus chanter le soir. Amen. Dis à ton voisin, saisis la grâce de Dieu. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit gracieusement. Acclamons le Seigneur. Amen. J'ai amené tous mes livres, mais je vais plus présenter le nouveau. Mais tous les autres seront disponibles. J'ai amené un livre pour les célibataires. Deux livres d'ailleurs, parce que la maladie est profonde. Donc, double dose. Donc, tu es comblé de grâce même dans les mariages. Deux livres.
Donc, les principes pour les choix du conjoint, tome 1 et tome 2, rien que pour toi. Tu peux même acheter avec ta fiancée, elle achète le tome 1 et toi le tome 2, puis vous faites des lectures croisées. Alléluia. Tu as un fils vraiment qui est beau mais qui n'arrive pas à se marier. Maman, achète pour le fils. Tu as une belle fille, elle dit toujours non, non. Donne-la. Dieu va l'introduire dans le mariage. C'est disponible, acclamons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce thème parce que c'est quelque chose qui est en train de me prend à cœur ces derniers temps, vraiment la compréhension de la grâce dans l'Église. Je crois que je vais un peu plus en parler dimanche. La grâce, est-ce que la grâce est contre les œuvres? Est-ce que les œuvres sont contre la grâce? Il y a vraiment, c'est devenu un grand débat aujourd'hui dans l'Église du Seigneur en ce temps de la fin, mais c'est un débat qui a existé depuis l'aube de l'Église. Mais c'est revenu, et c'est bien vraiment qu'il y ait de telles assises pour que ces choses soient précisées. Amen. Hébreux 4, verset 16. La Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4, verset 16 nous révèle que pour saisir la grâce, il faut de l'assurance. Il faut s'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, qui est toujours la grâce, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La grâce t'est offerte, elle t'est donnée, mais tu dois savoir la saisir. Et Hébreux 4, verset 16 nous parle de l'assurance. L'assurance permet de saisir la grâce. Les gens qui sont remplis de doutes ne saisissent pas la grâce. Même si la grâce est donnée gratuitement, il y a un prix à payer pour la vivre et l'expérimenter. Il faut de l'assurance. Éphésiens 2, versets 8 à 9, la Bible dit « Car ce n'est pas par la grâce que vous êtes, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Pour saisir la grâce, il faut la foi. Donc, quelle que soit la grandeur de la grâce, s'il n'y a pas la foi, la grâce ne va pas opérer. Jésus-Christ était étonné de l'incrédulité des hommes. Et lui qui est le Tout-Puissant n'arrivait pas à faire des grands miracles là où il y avait l'incrédulité. Pourquoi? Sans la foi, la grâce ne peut se manifester. Nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. C'est quoi la grâce? Romains 3, versets 23 à 24, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » La grâce est une faveur imméritée, une faveur gratuite. Alléluia! Là où il y a la grâce, il faut insister sur la gratuité. Alléluia. Immérité. C'est-à-dire, ça ne dépend pas de tes capacités, de tes compétences, de tes efforts, de tes œuvres. Tu n'as rien fait, mais tu as. Alléluia. C'est ça la grâce. Dans la grâce, il n'y a pas de mérite. Personne ne mérite la grâce. Une fois que tu mérites la grâce, ce n'est plus la grâce. Et vous savez, dans ce monde-ci, des temps de la fin avec la méritocratie, comme j'ai beaucoup étudié, j'ai le master, comme j'ai beaucoup fait ceci, je suis musclé, comme j'ai beaucoup fait ceci, j'ai cela. Alors, dire ça à l'homme moderne, ça entre difficilement. Et je vous dis, même à l'église, ça entre difficilement. Le message de la grâce est facile, mais à la fois compliqué. Pourquoi? La méritocratie nous empêche de comprendre la grâce, une faveur imméritée. Alléluia. Mais la grâce n'est pas seulement une faveur imméritée. La grâce est une dispensation. C'est une seconde dispensation qui est venue après une première. La première, c'est la dispensation de la loi au travers de Moïse.
Et cette première dispensation de la loi disait, fais, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas. À cette dispensation de la loi, l'homme a échoué. Non pas que la loi était mauvaise, mais l'homme était mauvais et incapable d'appliquer la loi de Dieu. Ainsi, tout homme avait échoué à l'école de la loi. Tout homme avait échoué à l'école de Moïse. Et tous les hommes se sont retrouvés sous la condamnation. C'est alors qu'il y a une nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce. Jésus-Christ est le seul qui a accompli la loi. Et lorsqu'il a accompli la loi, il a accompli pour nous. Et il nous demande seulement, non pas d'accomplir la loi, mais de croire en lui qui accomplit la loi pour accomplir la loi. C'est ce qu'on appelle l'imputation de la justice. J'aime donner cette image pour ceux qui ont du mal à comprendre la grâce. Souvent, il y a une religion qui ne comprend pas surtout la grâce. Et beaucoup d'ailleurs sont dans cette religion parce qu'ils disent que comment un homme peut mourir pour vous tous? Il faut que chacun se batte pour lui-même. Comment vous vous croyez? Lui, il fait tout pour vous et vous, vous croyez. Mais oui, c'est ça la grâce. Alléluia! C'est ça la grâce. Voici. Je suis propriétaire d'une école. Et tous les élèves sont bêtes. Amen. Hein? Tout le monde échoue à des zéros et des zéros. Mais je les aime tellement. Mais dans ma loi, j'ai dit, si tu n'as pas 10 sur 10, tu ne passes pas de classe. Je les aime, mais ils sont bêtes. Mais j'ai un fils très intelligent. Alors je fais ceci. Je fais que mon fils passe l'examen. Et lui, il a 10 sur 10. Alors je demande à tous les élèves bêtes de ne plus faire des examens, mais de croire seulement aux 10 sur 10 de mon fils. Une fois que tu crois aux 10 sur 10 de mon fils, tu as 10 sur 10 et tu passes de classe. Alléluia! C'est ce que Dieu a fait. Nous tous, la Bible dit, tous ont péché, tous ont été bêtes. Tu vois, tu es fâché. Donc toi, tu avais réussi quoi? Même si dehors tu as réussi, dedans tu as la jalousie, dedans tu as la haine, dedans tu as des sentiments bizarres, parce que ça concerne aussi les dedans. Aucun homme gentil n'ira au ciel, vous savez ça? Parce qu'il y a certains qui disent, j'ai pas besoin de ça, moi je suis discipliné. Tu es discipliné dehors. Moi je ne fais rien dehors. Dedans, si seulement tu regardes une femme avec convoitise, tu as commis ça. C'est pourquoi Jésus avait dit, c'est lui qui n'a jamais péché qui lance la pierre. Même en pensée, si tu n'as jamais fait, lance la pierre. Ils sont tous rentrés parce que tout le monde est dedans. Tout le monde était sous le péché. Jésus-Christ seul accomplit parfaitement la loi et prend cette victoire. Il nous l'impute, il nous donne. Tu n'as rien fait, tu es déclaré juste. C'est ce qu'on appelle la justification. Maintenant, les gens qui aiment mériter n'aiment pas ça. Parce que toi, non, je dois étudier. Et puis quand j'aurai 10, et puis je vais. Maintenant, on te dit non, ne le fais plus. Toi seulement, crois seulement. Au 10 sur 10 de quelqu'un d'autre, tu es 10. Non, moi je ne veux pas, moi-même. C'est pourquoi il y en a qui, jusqu'aujourd'hui, étudient. Alors que l'école est déjà finie. Give me amen, hein? Il y en a des gens jusqu'aujourd'hui sont au laboratoire en train d'étudier. Alors que Jésus a déjà dit, tout est accompli. Mais toi tu continues à étudier. Pour accomplir quoi? C'est déjà fini. Toi seulement, crois seulement. Tout est accompli. Voyez maintenant la difficulté de la grâce. La difficulté de la grâce, c'est sa facilité. Vous connaissez quand on étudiait. Le jour que le professeur donne un examen facile, on échouait tous. Si nous avions habitué à des abscisses et des cosinus, le jour qu'il va dire 2 plus 2 égale à combien? Oh! Il y a un piège. Il y a un piège. Et on va échouer. On va dire 7B, 7C. Et puis il va dire non, 2 plus 2 c'était 4. Ah non, professeur, c'était trop facile. Notre problème, c'est la facilité de la grâce. Parce que l'homme aime des choses compliquées. Jésus disait, crois seulement. Jésus a dit, crois seulement devant la mort de Lazare. Est-ce que devant la mort, on croit?
on pleure, on saute, on gêne 100 jours. On fait 10 veillées. Pour aller au ciel, plus que le visa des États-Unis, tu crois que tu vas au ciel. Et c'est trop facile. C'est pourquoi c'est trop compliqué. Je vous dis, frère, un grand voleur vient chez toi. Tu prends ton diamant, ton plus grand trésor. Tu le mets à ta porte, là vraiment, tu mets le diamant. Je te dis, le voleur ne volera pas ton diamant. Il ira dans ta chambre. Il va chercher dans ton coffre-fort. Il va prendre. Quand il va voir le diamant, il va dire, c'est une décoration. Ça ne peut pas être le diamant. Pourquoi? Quelqu'un ne peut pas mettre son trésor là. Et Dieu a facilité le salut. Il te dit seulement, crois en Jésus, tu seras sauvé. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est pourquoi c'est compliqué, parce que c'est facile. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. C'était ça le problème du Syrien, Naaman. Il s'est dit, j'irai, je vais donner l'offrande, je vais donner des choses. Et le prophète va agiter sa main sur ma plaie et je serai guéri. Avant même qu'il n'arrive, il dit, ne te déplace pas, hein? Garde ton énergie, hein? Garde ton argent, jette-toi seulement cette fois dans l'eau. Il dit, quoi? Facile comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau? D'où je viens? J'aime l'enseignement du prédicateur de la grâce qui est à côté de lui, son serviteur. Il a dit, mais si on t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais faire. Maintenant, on te demande quelque chose de facile. Pourquoi tu as des problèmes? C'est ça l'homme. Pourquoi tu as des problèmes? Oh? Pourquoi tu as des problèmes? Pourquoi tu as des problèmes? Arazu Pachadaya. Je bénis Dieu pour mon bébé que je viens d'enfanter. Il m'a enseigné la grâce. Hein? Ayez des enfants petits, ça va vous enseigner la grâce. Mais si tu as les moyens d'en prendre soin. J'ai un enfant de 2 ans. Waouh! Il m'a enseigné la grâce. Le petit là sait que comme je suis son papa, tout ce qu'il me demandera, je lui donnerai. Mais le petit là n'a pas étudié, le petit là ne travaille pas. Mais il croit en l'alliance. S'il dit papa bonbon, il sait qu'il y aura bonbon. S'il dit papa porte-moi, avant que je le porte, il fait déjà ça. Il croit que papa ne peut pas me laisser. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Mes frères, que la facilité de la grâce ne te complique hein? Pas. Sois comme un enfant. Dieu parle, toi tu crois. Point barre. C'est pourquoi tu dois savoir que tu n'as pas besoin de mourir pour être saint. Tu es saint parce que le saint t'a donné sa sainteté. Les saints de vase d'honneur, alléluia. Nous n'avons pas besoin de mourir pour être canonisés. Nous sommes canonisés pendant que nous respirons. Nous sommes canonisés pendant que nous parlons. C'est pourquoi Paul saluait des hommes vivants et disait, saint. Pourquoi? Imputation. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Maintenant, voici quelque chose te dire. Avec tous ces défauts, comment il dit je suis saint? Il y a 2 sortes de sainteté. Il y a la sainteté de position et la sainteté pratique. La sainteté la plus élevée, c'est la sainteté de position. Celle que Jésus te donne par ta foi, il te rend saint et il te déclare saint. La deuxième sainteté, c'est la démonstration de la première sainteté. Tu ne parles pas français pour devenir Abidjané, mais tu parles français pour démontrer que tu es Abidjané. Je ne me sanctifie pas pour être saint, je me sanctifie parce que je suis saint. Ma sanctification pratique est la démonstration de ma sanctification de position. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Si là-bas vous ne dites pas bien amen, moi je reste ici. Voici ce que j'aimerais te dire. L'arbre porte des fruits, pas pour devenir l'arbre, mais pour démontrer qu'il est l'arbre. L'arbre, l'avocatier porte des avocats, pas pour être l'avocatier, mais pour démontrer qu'il est l'avocatier. Je me sanctifie pour démontrer que je suis saint, mais pas pour être saint, parce que je suis saint par la nature et la position que j'ai en Christ, que j'ai reçu gratuitement. Seulement je crois, je le deviens. Tu es saint.
C'est ce que la Bible dit au sein de Corinthe, au sein de Colosse. Mais ils sont vivants parce que Paul ne peut pas saluer les morts. Mais si tu cherches le fruit sans l'arbre, c'est du plastique. Un fruit sans arbre est un plastique. Des œuvres sans la foi, ce sont des œuvres de la mort. Toute œuvre sans la foi, c'est la loi. Mais l'œuvre qui vient après la foi, c'est la vie qui prouve que l'arbre est vraiment un avocatier. Ainsi, ce qui précède, c'est la foi, pas les œuvres. L'arbre d'abord, ensuite les fruits. Car les fruits démontrent la nature de l'arbre, mais les fruits ne peuvent être sans l'arbre. C'est pourquoi toute œuvre sans la foi est une propre justice. Mais toute œuvre qui vient après la foi est la preuve de la foi. Dis gratuitement, je suis justifié, sauvé, gratuitement. Salut le saint qui est à côté de toi. Yes. Voyez dans la Bible, Israël se trouve dans le désert et il est mordu par les serpents. Amen. Ils sont mordus par des serpents vivants. Un serpent métal, un serpent mort. Et on leur dit quoi? Si tu regardes, tu vis. Non, non. Moïse, en regardant un serpent mort, un serpent le tue avec bâton. Dieu ne te dit pas de prendre des brèches là. Tu peux voir quelqu'un, il a beaucoup étudié, il ne comprend rien. Mais tu vas à l'école du dimanche, les enfants comprennent. Pourquoi? C'est un mystère. Quoi? C'est un mystère. Quand tu parles de Dieu, tu ne dis plus créateur, tu dis père. Papa! On a tué Jésus parce qu'il disait papa. Père. Quoi? Celui qui a créé le ciel est ton père. Oui. Tu es courageux. Trop courageux. Père. Frère, vous savez, quand on se retrouvera au ciel, il faut me chercher. À la venue de la sainteté numéro 8. Tu vas me trouver avec Abraham en train de causer. Toi, tu ne dis jamais de telles choses. Parce que tu dis, est-ce que j'irai? Est-ce que je monterai? Mais tu as l'assurance d'entrer dans un avion à cause d'un papier. Un petit papier. Tu dis, j'entrerai dans l'avion. Est-ce que le papier est comparé à l'avion? Mais tu as la foi dans la fidélité de la compagnie. Et il y a une compagnie céleste du royaume de Dieu. Qui t'a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, je m'en vais, vous préparez une place, et il y a des places, et je crois, j'ai l'assurance. Moi, j'irai pas en enfer, j'irai au ciel, j'irai au ciel, j'irai au ciel. Rendez-vous au ciel, rendez-vous au ciel. C'est pourquoi des hommes comme Paul, ils sentent sa mort, ils commencent à écrire sur sa mort. Ils commencent à vous dire au revoir, je m'en vais, et il est content. Pourquoi? L'assurance. Comment les apôtres pouvaient accepter de mourir, brûler, manger par des fauves dans des arènes? L'assurance. Vous savez que dans la Bible, certains même, on veut les relâcher, disent, ne me relâchez pas, tuez-moi pour recevoir une meilleure résurrection. Comment tu peux atteindre ce niveau sans assurance? On te dit, demain on va te tuer, tu pries, Dieu te dit, c'est ma volonté, tu commences à adorer Dieu. Oh, alléluia. Tu commences à dire à tout le monde au revoir. Toi, tu vas pleurer toute la nuit. Les chrétiens aiment le paradis, mais n'aiment pas la mort qui mène au paradis. Tous les jours, nous chantons le paradis, mais on va au paradis comment? Soit l'enlèvement, soit la mort. Mais la plupart d'entre nous, ce sera par la mort si Jésus tarde. Vrai ou faux? Qui croit qu'il a une place au ciel? Qui croit que son nom est écrit dans le livre de vie? Tu le crois? Pourquoi alors tu es triste dans la vie? Pourquoi tu viens avec un visage renfrogné? L'assurance. Oh, acclame Jésus. Mes frères et sœurs, plus
plusieurs n'arrivent pas à saisir pleinement la grâce de Dieu. C'est pourquoi ils confessent tout le temps leur péché. Si je prêche ici, les impudiques, tu confesses ton péché d'il y a 10 ans. Pourquoi? Si je dis ici, oh les gens qui ont avorté, du coup tu commences à pleurer parce que tu as avorté il y a 3 ans. Pourquoi? Frère, des fois qu'on prêche, tu n'es pas concerné. Des fois qu'on prêche, tu n'es pas concerné. Tu dis c'est pour les autres. Moi j'avais fait ça mais je ne fais plus. Je ne suis pas concerné. Des fois qu'on fait des appels, venez devant les gens qui ont avorté. Toi ne viens pas, Dieu t'a déjà pardonné. C'est pour le bébé spirituel qui vient d'avorter. Toi Dieu t'a déjà pardonné. Et voyez des gens qui reçoivent Jésus-Christ à chaque culte. Qui va recevoir Jésus? Ils reçoivent un manque d'assurance. Tu vas recevoir Jésus combien de fois? Même là encore tu vas recevoir. Vous confessez tout le temps vos péchés et vous pleurez. Ça fait 10 ans que tu confesses le même péché. Tu as un problème de saisir la grâce de Dieu. Tu n'es pas sûr que tu vas aller au ciel. Quand tu penses à ta mort, tu as peur comme un païen. Et sachez, lorsqu'on n'a pas l'assurance du salut, l'assurance de la grâce, qu'est-ce qui se passe? Le diable utilise même des faux prophètes qui vont prophétiser tes anciens péchés. Sache ceci. Si tu as confessé un péché et un prophète vient te prophétiser ce péché, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est Satan. Parce que Dieu a oublié, il ne peut pas prophétiser des choses qu'il a oubliées. Tu me prophétises ma vie passée? Non, je ne vais pas venir. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est Satan qui t'a parlé. Satan se souvient de mes péchés, mais Dieu a oublié mes péchés. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent mériter le pardon de Dieu. Pourquoi tu jeûnes beaucoup? Certains vous jeûnez parce que vous avez la culpabilité. Tu ne crois pas que Dieu peut t'exaucer sans jeûner. Moi, je ne jeûne pas pour que Dieu m'exauce. Hein. Je jeûne parce que c'est une discipline spirituelle. Mon enfant n'a pas besoin de se priver de nourriture pour que je lui donne un bonbon. Oh, la vérité, hein? Et aussi, tu jeûnes pour que Dieu te pardonne. Dans le Nouveau Testament, on ne jeûne pas pour être pardonné. Il n'y a pas le jeûne de repentance. Il n'y a pas le jeûne de repentance. Il n'y a pas le jeûne de repentance dans la Nouvelle Alliance. Des chrétiens qui jeûnent pour que Dieu leur pardonne. Des chrétiens qui se mortifient pour que Dieu leur pardonne. D'autres même font ce qu'on appelle l'autoflagellation. Il prend une corde et puis avec des épines, il se tape comme ça. J'ai péché et il est blessé. On dit que c'est un saint, un vrai incrédule rempli de cicatrices, un vrai incrédule rempli de cicatrices. D'autres même arrivent à se crucifier pendant 30 minutes. Quel courage, quelle incrédulité! Tu n'as pas besoin de souffrir pour que Dieu te pardonne. Jésus a déjà souffert pour toi. Tu n'as pas besoin de jeûner pour que Dieu te pardonne. Jésus a déjà souffert pour toi. Donne-moi l'amen, hein. Certains même, tout ce que vous faites à l'église ici, c'est de la culpabilité. Tu le vois nettoyer l'église, monter, descendre. Toi, tu penses que c'est le zèle. Ce n'est pas le zèle. Il pense qu'en nettoyant l'église, Jésus va nettoyer sa vie. Oui, quand tu pèches beaucoup, tu commences à beaucoup servir Dieu. Tu commences à beaucoup servir Dieu. Pourquoi? Pour mériter. L'œuvre de Dieu n'amène pas le pardon. Servir Dieu n'amène pas le pardon. C'est l'œuvre de la croix qui amène le pardon. Il a tout accompli, tu n'as rien à ajouter. Hey, donne-moi la main, hein. Quand tu pleures à l'église, tu pleures pourquoi? Pourquoi tu pleures? Tu pleures pour des péchés d'il y a 10 ans. D'autres, vous avez avorté. C'était des prophètes que vous avez tués. J'avais tué un prophète. Que Dieu libère ta mémoire du péché et que tu puisses te souvenir que Dieu t'a pardonné, que Dieu t'a libéré. Si tu as oublié, moi aussi j'oublie. Donne-moi la main, hein? Certains, vous avez ce qu'on appelle l'auto-sabotage. C'est-à-dire quoi? Quand tu as péché et tu commences à réussir, toi-même tu sabotes ta vie pour te punir. Comme j'ai fait le mal,
je dois échouer. Comme ça, je dois sentir la punition de mon mal. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Qu'est-ce que tu as? Dieu t'a pardonné et il ne t'a pas détruit. Toi, tu te détruis toi-même pour mériter le pardon de Dieu. Tu penses que ta justice peut plaire à Dieu? La Bible dit que notre justice est un habit souillé devant Dieu. Les offrandes que tu donnes ici, tu les donnes pourquoi? Pour que Dieu te pardonne. C'est ainsi que les gens volent. Ils amènent la dîme du vol. Ils se prostituent. Ils amènent la dîme de la prostitution. Pourquoi? Pour que Dieu pardonne. Comme si vraiment les francs CFA et les dollars sont consommés au ciel, quoi. On donne l'offrande par amour, pas pour mériter quoi que ce soit. On donne l'offrande par amour, pas pour mériter quoi que ce soit. Je te pose cette question. Vis-tu toujours dans la culpabilité? Certains même, vous ne servez plus Dieu à cause de ça. Tu avais péché, Dieu t'a pardonné. Et te dit, mon fils, sers-moi. Non, je suis indigne. Je suis indigne, je monte sur l'estrade, je vais la rendre impure. Dieu t'a dit qu'il t'a pardonné. Relève-toi, continue. Non, je dois faire 10 ans de pénitence. C'est ta religion. C'est ton incrédulité, ce n'est pas Dieu. Ça paraît beau, mais c'est sale spirituellement. C'est sale. J'aimerais parler un peu aux gens qui craignent Dieu. Quand tu crains Dieu et tu n'as jamais commis des bêtises, c'est très très bien. Mais des fois, sans que tu saches, tu peux avoir ce qu'on appelle la propre justice. Je suis digne de le faire parce que je crains Dieu. Je suis digne. Et le jour que tu commets une bêtise, c'est le jour où on se rend compte que tu n'as jamais craint la grâce de Dieu. Maintenant Dieu te dit, mon fils, je te pardonne. Comme j'ai pardonné à Paul. Non, je ne servirai pas Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Réponds pourquoi. Parce que j'ai commis une erreur. Donc toi, tu peux prêcher aux gens qui commettent des erreurs, leur dire de se relever. Quand c'est ton tour de te relever, tu ne peux pas te relever. Pourquoi? Parce que toi, le vice c'est Jésus. C'est ainsi que vous remarquez. Certains qui ont eu un témoignage parfait, les jours qu'ils commettent une bêtise, ils rentrent dans le monde. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la propre justice, l'orgueil spirituel. Frère, ne sois jamais orgueilleux de craindre Dieu. Tu seras humilié un jour. Ne sois jamais orgueilleux d'être discipliné. Tu seras un jour humilié. Tout est grâce, tout est discipline. Tout est grâce, tout est faveur. Je suis discipliné par la grâce de Dieu. Je crains Dieu par la grâce de Dieu. Je suis un bon mari par la grâce de Dieu. Je suis un bon pasteur par la grâce de Dieu. Ne soyez jamais orgueilleux d'une dimension spirituelle. Certains même arrivent à se suicider. Se suicider. Je suis tombé, je suis tombé. Je suis plus digne de vivre. Et le frère se tue. Tout droit en enfer, mon frère. Tout droit, sans courbir. Tout droit en enfer. Un homme de Dieu, priez. L'homme de Dieu l'a conduit, jeune de 7 jours, lui fait 14. Jeune de 14, 21. Tout le monde voulait le ressembler. Ah, quelle dimension! Je vais jeûner comme le frère. Je vais jeûner comme l'homme de Dieu. Il l'a fait. Une fois, il jeûne, il tombe malade. Et puis on lui pose la question. Dis-nous un peu quel est ton secret. Pourquoi tu jeûnes autant? Il n'y avait rien de spirituel dedans. Quand il était païen, il était un voleur. Il entrait dans les maisons, il prenait de l'argent. Une fois, il est allé dans une maison, il trouve une femme. Il dit, donne-moi de l'argent. La femme dit, j'en ai pas. Donne-moi l'argent, j'en ai pas. Il prend le bébé de l'enfant, prend sa tête, met dans un mortier, prend un pilon. Il lui dit, si tu ne me donnes pas l'argent, je vais piler la tête de ton bébé. La dame a dit, j'en ai pas. Il a pilé la tête du bébé. Des années après, il s'est converti. Chaque fois qu'on prêche, lui voit le bébé. Chaque fois qu'on chante, il voit le bébé. C'est pourquoi il se punit avec des jeunes. Avec des jeunes. Tu croirais qu'il est spirituel alors que c'est un incrédule. Un incrédule, un vrai incrédule. Quelqu'un me dit, ah, pasteur, quand même, c'est un grave péché. Tout est péché. Même mentir, c'est un péché. Comme toi. Tu devais être quelqu'un déjà qui sert Dieu ici. Toi-même, tu t'es puni. Comme tu as fait ça, toi là, au ciel, tu seras seulement à la porte. Tu t'es puni toi-même.
Des fois, on jeûne ici, on dit buvez de l'eau. Toi, c'est toujours à sec. Dis-nous pourquoi tu fais toujours à sec. Remarquez, si tu fais un jeûne, malgré que tu jeûnes, tu es fort. Tu te sens culpabilisé. Comment ça ne me fatigue pas? Si tu fais un jeûne, tu ne maigris pas. Mais comment je ne maigris pas? Donc il faut que je maigrisse, que je sois presque mourant pour qu'il y ait la puissance. Et quand un jeune te tape comme nous à Kinshasa, on dit bêtio, tu dis ah, gloire à Dieu, j'ai frôlé la mort. Tu n'as pas besoin de frôler la mort. Jésus est déjà mort pour toi. Il est déjà ressuscité. Il est à la droite de Dieu le Père. Jeûne par discipline, mais ne jeûne pas pour mériter quoi que ce soit. Hey, Arabashaya. Même quand tu donnes l'argent, ne donne pas l'argent pour être riche. Tu es déjà riche. Tu es choqué. Mais il est écrit qu'il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Avant l'offrande. Oh. Avant l'offrande. Je donne l'offrande par amour pour Dieu. Je donne l'offrande par adoration. Mais je ne donne pas l'offrande pour être riche. Parce que je suis déjà riche. Parce qu'il s'est fait pauvre pour m'enrichir. Si je ne te dis pas ça, tu donneras aujourd'hui une offrande ici. Tu ne vois rien. Oh, depuis que j'ai mis 100 000, je ne vois rien. Mais tout chrétien déjà vu par la foi. C'est pourquoi il n'y a pas de chrétien pauvre. Il n'y a pas de chrétien pauvre. Parce que Christ s'est appauvri pour t'enrichir. Tout chrétien est riche. La grâce est difficile à saisir. Regardez maintenant comment on complique nos vies lorsqu'on quitte la grâce. Je veux vous rendre conscient de quelque chose de merveilleux en vous, mais que vous avez oublié, ça fait même 5 ans. Ton cœur bat. Boum. Boum. Tu as un cœur qui est en train de battre maintenant. Boum. Tu l'avais oublié, non? Ce qui te donne la vie, tu l'as oublié. Tu vis par un cœur extraordinaire, mais tu n'en es pas conscient. C'est pourquoi il bat calmement. Commence à penser à ton cœur tout le temps. Tu vas le sentir et puis tu vas dire, hey, une crise cardiaque, une crise cardiaque. Hey, pourquoi il bat maintenant lentement? Mais comment il bat vite? Hey, oh, une crise cardiaque. Je commence à avoir une pointe. Je commence à voir. Pourquoi? Parce que tu as quitté la grâce. C'est pourquoi tu vas avoir une crise cardiaque. Mais regardez ces choses extraordinaires qui sont en nous. Nous vivons en les oubliant. Nous comptons seulement que nous sommes en bonne santé. Le cœur fonctionne, les reins fonctionnent, la rate fonctionne, les intestins, les poumons, les nerfs, tout ça. Mais je n'en suis pas conscient. Mais je n'en suis pas conscient. Donne-moi la main, hein. Frère, prie. Frère, prie. Pourquoi? Si tu ne pries pas, les sorciers vont t'étouffer la nuit. Non, non. Je ne prie pas la nuit pour que les sorciers ne me touchent pas. Même si je ne prie pas la nuit, ils ne peuvent pas me toucher. Parce que je n'ai pas reçu ma prière comme Sauveur et Seigneur. J'ai reçu Jésus. C'est la paternité qui me protège. Ce n'est pas ma prière. C'est la paternité qui me protège. Ce n'est pas la prière. C'est la paternité qui me protège. Qui m'aime. Quand mon enfant dort et que les moustiques le dérangent, je veille de ceux qui disent papa veille ou pas. C'est ma responsabilité de faire que les moustiques ne les piquent pas. Quand les moustiques sorciers, les moustiques démons volent autour de moi, c'est la responsabilité de papa Dieu. Mais regardez les chrétiens. À 2h du matin, ils se réveillent. Quoi? J'ai pas prié. J'ai pas prié. Pourquoi? Pour que les sorciers ne me touchent pas. Non, il faut te réveiller. Ah, j'ai pas adoré. J'ai pas eu des moments de communion avec Jésus, mon amour. Oui, là je suis d'accord. Mais si tu penses que il faut que tu pries pour que Dieu veille sur toi, frère. Mais comme tu es là, peut-être que 10 sorciers sont derrière toi, tu n'es pas conscient. Peut-être tous tes voisins là, qui sont derrière là, ils t'envoient des choses. Est-ce que tu en es conscient? Si je dois être conscient de toutes mes attaques, je vais devenir paranoïa. Moi je marche à moi, Dieu s'en occupe. Moi je vis à moi. Mais s'il me révèle, dit mon fils prie pour tel combat, je prie. Mais je ne peux pas être parano. Hein? N'est-ce pas que des fois nous mangeons, nous oublions de prier? Qui n'a jamais fait ça?
Tout le monde a déjà fait ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une prière, c'est moi qui accompagne ça là-bas, non? Père, c'est que déjà allé là-bas, bénis ça. Vrai ou faux? Non, j'entends un hypocrite qui dit un pasteur non spirituel. J'ai fait une méditation sur ça. Quand nous allons au restaurant, nous prions pour le premier tour. Quand tu fais le deuxième, troisième, tu pries encore? Le deuxième tour, est-ce que tu pries? Tu ne pries pas, mais c'est béni. Pourquoi? Tout est béni pour celui qui est béni. Moi, je crois, si je touche quelque chose, c'est béni. Je touche le foufou, c'est béni. Je touche la viande, c'est béni. Je touche l'eau, c'est béni. Je touche, c'est béni. La grâce. Alléluia. Le premier tour, nous prions. Deuxième, le dessert, tu pries? Le dessert est béni ou pas? Tu dois prier 5 fois maintenant. 5 fois maintenant, dessert. Bénis le dessert. Bénis l'entrée. Bénis le dîner. Si on t'amène le café, bénis le café. Un peu de croissant, monsieur, bénis. Le bonbon pour la route, bénis. La grâce. La grâce fait glisser et rend la vie facile. Maintenant, nous, nous sommes tellement habitués à être compliqués. Si tu viens me voir, pasteur, j'ai tel problème, tu parles pendant 1 heure du temps. Et puis je te touche, Père, au nom de Jésus, fais-le. Et puis tu vois comme ça, c'est tout. Vous voulez quoi? Quand tu expliques 1 heure, une prière aussi d'1 heure, avec beaucoup de vibrations, Père, je suis pris, je brise. C'est pourquoi les pasteurs deviennent des aventuriers et des théâtraux. Maintenant, je vais prendre un peu d'huile, je jette sur toi, de foufou, je jette, je te donne un coup. Quand tu rentres, la prière était puissante, hein? J'ai mal ici, ce n'est pas ça la prière puissante. Jésus a dit, Lazare sort, Lazare sort. Jésus disait, sois pur, je te le dis, sois pur. Jésus parlait, Jésus touchait, Jésus opérait dans la simplicité. Donne-moi la main, je te parle. Regardez même comment on prie. Des complications. Oh, votre honneur. Nous, vos enfants, avec la constitution de la Bible, nous venons auprès de votre haute autorité. Hey, mon frère, quel problème tu as? Tu as travaillé au Parlement? Mais ceux qui connaissent Dieu, Père, au nom de Jésus, j'ai besoin d'argent. Tu as dit dans ta parole, demande, on te donnera. Je reçois au nom de Jésus. Ah, amen. Ah, amen. Oh, ah, amen. Amen. Je ne veux pas me compliquer. Une fois, un homme de Dieu vient me voir. Il me dit, Marcelo, donne-moi le secret de ton ministère. J'ai dit, oui, je vais te donner le secret. Il me regardait comme ça. Il attendait un livre rouge que je lui montre de l'huile de Jérusalem. Et un tissu là bizarre. J'ai dit non, c'est la foi et la direction du Saint-Esprit. Il a dit, ah vraiment, seulement ça, seulement ça, seulement ça. Je n'ai pas un grand secret. J'ai pas un grand secret. Oh, les hommes de Dieu ont des secrets. Ah papa, tu es courageux, quel secret tu as? Jésus, la foi, prier comme un enfant, fuir le péché, lire ma Bible, hein? Appliquer la Bible. Prier, l'adorer, la communion fraternelle, c'est tout. Oh, lorsque j'arrive à 3 heures du matin, je prie comme ça. Et là, il ne faut pas bouger. Et il ne faut pas respirer. C'est ce que cette génération vous aimez maintenant, non? Des prédications compliquées, des prières compliquées, la tête en bas, les pieds en haut, vous aimez ça. Quand vous priez dans une église, on prie pour vous simplement. Oh, il n'y a pas de puissance. La puissance, c'est quoi? Des exagérations? On peut les faire aussi. Vous impressionner, vous effrayer? On peut le faire. Mais as-tu déjà vu un enfant? Il vient devant papa. Papa. Et il change la voix. Nous aussi. Pourquoi on change la voix quand on prie? Toi, tu parles calmement. Mais quand c'est devant Dieu, pour! Toi, tu parles jamais comme ça. Imagine, oracle vient me voir. Papa Marcelo, ça va mon petit? Non, ça va. Je peux avoir des beaux scotch.
Je dis, oh, mais dis c'est mon papa, je peux avoir des baskets. Non! Toi, tu as la voix pour parler, la voix pour prier. Tu n'as pas compris la grâce. Tu as une voix pour prier, une voix pour parler. Tout le monde connaît cette voix-là. Tu penses que si tu fais cette voix, Dieu va t'entendre. Oh Jésus! Oh Jésus! Tu as besoin de comprendre la grâce. Tu as besoin de comprendre la grâce. Jésus t'aime. Il t'a aimé avant même ta création, avant ta naissance. Il t'a aimé et il t'a donné sa propre vie. Arrête de faire des tralala. Alléluia. Et on dit quoi encore? On répète la même prière. Seigneur, 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 et Marie, 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 et Marie, et Marie, et Marie, et Marie, et Marie, et Marie. Tu fais le sport? Qui fait ça à son papa? Papa, bonbon, 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 bonbon. Jésus a dit, ne soyez pas comme les païens qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et des fois, même avant de parler, Dieu connaît déjà ton problème et il t'exauce. C'est ça la grâce de Dieu. La vie chrétienne est facile. La vie chrétienne est facile. N'arrêtons de compliquer la vie chrétienne. J'entends même des gens qu'il faut toujours prier à genoux. Il n'y a pas un verset biblique pour ça. Homme de Dieu, toi, tu ne te vois jamais t'agenouiller quand tu pries. Tu as un problème avec mes genoux. Il faut s'agenouiller. Il faut s'agenouiller. C'est toi et Dieu. Il n'y a pas un principe spirituel qui veut être à genoux debout. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Si cette convention prend fin, tu sors. Avec une vie chrétienne compliquée, nous avons échoué. L'un des résultats de cette conférence, Dieu devient ton père. Même les démons, on n'a pas toujours besoin de crier pour les chasser, tu sais. Au nom de Jésus, esprit impur sort. Amen. Démon! Le démon dit, oh, t'as un problème. Je suis dépouillé, je suis vaincu. Mais qu'est-ce que t'as là? Un intercesseur a une grosse voix, tout le monde va chez lui. L'intercesseur qui a une petite voix, on ne va pas prier. On pense que l'autorité, c'est la voix. Oh, acclame Jésus. Des versets aussi simples nous disent, 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Si nous confessons nos péchés, si tu as confessé, il est juste et fidèle pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Mon frère, si tu as confessé, il t'a pardonné. Il t'a pardonné, même si le monde n'a pas pardonné, même si on en parle sur Internet, ce n'est pas l'Internet qui est morte à la croix pour toi, même si l'Église en parle, même si tes amis en parlent, même si les gens prêchent ton péché, si tu l'as confessé et tu l'as abandonné, tu es pardonné et tu n'as pas besoin de sentir que tu es pardonné, tu as besoin de croire, on ne sent pas le pardon de Dieu, on croit le pardon de Dieu. Pourquoi voulez-vous sentir le pardon? C'est par la foi. Je ne sens pas que je suis pardonné. On ne sent pas, on croit. Oh, je dois sentir la paix. Non, même si tu ne sens pas la paix, tu es pardonné. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Donc lorsque Dieu te pardonne, mais tu reviens toujours, tu ne crois pas. Tu es en train de dire quoi? Qu'il est infidèle, qu'il est menteur. Il dit qu'il pardonne, mais il ne pardonne pas. Tu es en train de pécher contre la grâce de Dieu. Les gens qui ne savent pas saisir le pardon de Dieu blessent l'amour de Dieu. Ça arrive même dans les amitiés. Ton ami te fait le mal, tu dis c'est fini. On règle ça. Il revient encore, pardonne-moi. Oh, mon ami, mais arrête d'en parler. On a réglé. Tu reviens encore. Ça devient dérangeant. Quelqu'un qui ne croit pas qu'il est pardonné devient dérangeant. Parce qu'il ramène toujours l'histoire au passé. Oublie ton passé. Oublie ton passé. Oublie ton passé.
même si tu étais le plus grand voyou de ce pays, si tu es pardonné, tu es pardonné. Et la Bible dit encore, dans Proverbe 24, verset 16, « Car sept fois le juste tombe, il le relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » J'entends souvent des gens qui disent ça. « Ah, moi vraiment, je ne fais que tomber, je ne fais que tomber, je m'arrête. » Frère, même si tu tombes sept fois c'est le chiffre de la perfection. C'est-à-dire que tant que tu seras vivant, Dieu sera disposé à te relever. Oh, tant que tu seras vivant, Dieu sera disposé à te relever. Combien de fois tu es allé à l'hôpital dans ta vie? Qui d'entre nous a déjà dit, je laisse le médecin tranquille. Hier, il m'avait vu. D'autres même habitent l'hôpital jusqu'à ce que tu seras guéri. Habite Jésus jusqu'à ce que tu seras guéri. Alléluia. Mes frères et sœurs, pour sortir du péché quand tu es tombé, il faut croire que tu peux te relever. Sinon, tu vas habiter la boue et construire ta vie dans la boue. C'est pourquoi quand un homme est par terre et qu'il reconnaît qu'il est par terre, l'église ne doit pas le tuer. Il faut le relever. Si Dieu relève, l'église doit relever. Nous devenons l'église des hommes debout. Quand quelqu'un est debout, c'est notre frère. Quand quelqu'un est debout, c'est notre homme de Dieu. Quand il tombe, ce n'est plus notre frère. Ce n'est pas la parole. Les Israéliens, lorsque l'un de leurs soldats tombe au front, ils vont le prendre malade, même s'il est mort, ils vont l'enterrer en Israël. Mais ton frère, il suffit seulement que tu découvres un de ses défauts. Tu le jettes à la poubelle, tu n'as pas le cœur de Dieu. Je vais en parler ce soir. J'aimerais te poser une question. Depuis que tu es chrétien, tu as déjà relevé combien de personnes? Parce que ton Dieu, cette fois quelqu'un tombe, il le relève. Tel il est, tel nous sommes. Toi, tu as condamné combien? Tu as tué combien? Mais tu as relevé combien? Tu n'es pas différent du diable. Je reconnais la spiritualité d'un homme lorsqu'il est face à la faiblesse d'un homme. S'il va le traiter comme un pharisien ou comme Jésus. C'est pourquoi nos églises sont remplies d'hypocrisie. Parce que nous sommes les chrétiens des parfaits. Alors que tout le monde ici a des défauts. Mais caché. Pourquoi? Parce que nous ne consommons pas la sincérité. Nous consommons les masques. Quelque chose est arrivé dernièrement. On a commencé à vivre des miracles à l'église. Et puis des prophéties. Et puis ça fait ces derniers temps. Les gens passent devant. Oh, j'étais lesbienne. Oh, tiens. Je dis, oh. Tu sais pas que c'est en ligne? Les gens s'en foutent. Tu sais pourquoi? Ils savent que quand ils vont descendre là, les gens s'en foutent. Mais si l'un de nous qui est là monte ici, et puis il dit, j'étais chrétien pendant 10 ans parmi vous, mais j'étais un faux. Mais aujourd'hui, je viens de me convertir. Je faisais ça et ça et ça. Quand il va s'asseoir là-bas, tout le monde va se pousser comme ça. Mais nous prions, Père, envoie les âmes. Père, envoie les âmes, mais qu'ils soient purs. Père, envoie les âmes, mais qu'ils soient sérieux. Père, un hôpital qui dit, Seigneur, envoie les malades, mais qu'ils ne soient pas malades. Seigneur, envoie les malades, mais qu'ils ne soient pas malades. Nous voulons des malades non malades, mais nous sommes l'hôpital. Nous voulons un hôpital qui n'a que des gens en bonne santé. Un jour, j'ai respecté un homme de Dieu, mes frères. Je lui donne ma chair. Il le prêche terriblement. Alors, terriblement. Je le reçois dans mon bureau pour le bénir et pour parler. Il a dit, je ne peux pas quitter ton bureau sans te dire la vérité. Tu vois cette plaie que j'ai? Je t'ai menti que j'étais malade. J'ai commis l'adultère. Ah, vous les gens de l'internet, vous allez couper où? Moi j'ai commis l'adultère. Lui a dit qu'il a commis l'adultère. Ah, les coupages ici ça devient dangereux. L'homme de Dieu là a dit. C'est ça non? Qu'il a commis l'adultère et que le mari de sa femme, de cette femme là, l'a tabassé. C'est pourquoi il était gonflé. Il a dit, tu me respectes parce que je prêche et j'enseigne bien. Mais je dois me révéler à toi tel que je suis.
Je ne prêche plus ces derniers temps. Mais comme tu m'avais invité, je suis venu. Mais tu dois savoir que tu dois prier pour moi. Il s'est agenouillé. J'ai prié pour lui. Frère, je n'ai jamais cité son nom. Même si tu prends un fusil, un bazooka, tu me mets là pour me tuer, je ne citerai pas son nom. Pourquoi? C'est parmi les hommes de Dieu que je respecte. Pourquoi? Il a mis de côté la gloire et l'honneur. Et il s'est révélé tel qu'il est parce qu'il savait que je pouvais l'aider, le soutenir et continuer à le respecter, à l'honorer. Il s'est relevé. Aujourd'hui, il s'est relevé. Et il prêche. Terriblement même. Personne ne sait. C'est moi et lui seulement. Tu as relevé combien de gens? Sept fois le juste tombe. Sept fois Dieu le relève. Mais toi, deux fois le juste tombe. Sept fois tu l'enterres. Sept fois tu l'enterres. Et des fois, nous nous enterrons pour des toutes petites choses. Des petites différences, des petites choses, nous nous enterrons. Il m'a mal regardé, il m'a mal répondu. J'ai appris ceci, j'ai appris cela, j'ai appris ceci. J'aime le silence qui est survenu sur toi. Mes frères et sœurs, il faudrait que des gens te disent merci au ciel. Merci frère, tu m'avais relevé. Merci frère, au travers de toi, j'ai cru que Dieu aime les gens. Je me sentais impur, mais ton amour m'a amené à croire que Dieu m'aime toujours. Si pendant que mon ministère est au sommet, vous m'aimez beaucoup, c'est normal. Nous aimons tous les gens qui sont au sommet. Mais quand je passe par des temps de buzz et de polémiques, et tout le monde m'insulte sur Internet, et que Pasteur Sanogo m'invite malgré ça, quel signe d'amour. Quelqu'un d'autre dirait, je n'invite pas Marcelo avec tout ce qui va me créer, avec ceci. Mais malgré ça, je suis toujours son frère. Tu as relevé qui? Tu es entré dans le combat de combien de gens? Tu es entré dans la guerre de combien de personnes? Cette fois le juste homme, cette fois, tu le relèves. Alléluia. Alléluia. Ton mari commet une bêtise. Oh, je divorce. Ta femme commet une erreur. Prostituée, je divorce. Ah, c'était une bonne femme quand elle était préparée. C'était une bonne femme quand elle était fidèle. C'est un bon mari. Pendant 10 ans, 20 ans, il a commis une erreur. Tu balances tout. Tu détruis tout. Pourquoi tu ne peux pas lui pardonner? Pourquoi tu ne peux pas relever ton mari? Pourquoi tu ne peux pas relever ta femme, lui faire grâce? Car celui qui trouve grâce fait grâce. Et tu vas détruire ton couple pour l'erreur de ta femme. Tu vas détruire ton couple pour l'erreur de ton mari. Tu vas détruire vos enfants. Quelque chose qui s'est passé dans la chambre, tu vas le sortir dehors et tu vas tout détruire. Pourquoi tu ne peux pas relever ta femme? Pourquoi tu ne peux pas relever ton mari? Pourquoi tu ne peux pas relever ton enfant? Ton enfant était un bon enfant toute sa vie. Il rencontre des mauvais amis. Là, je suis en train de prophétiser. Et tout d'un coup, il change. C'est toi qui le livres. Un voyou maintenant. Il est devenu cela. Tu as oublié que c'était un bon garçon. Est-ce que maintenant tu ne peux pas le relever? C'est maintenant qu'il a besoin de toi. C'est maintenant qu'il a besoin de toi. De voir sa maman l'aimer, son papa l'aimer. Lui-même sait qu'il fait le mal, mais il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être aimé. S'il y a une période de la vie où l'homme est sensible à l'amour, ce n'est pas lorsqu'il est fort. Quand il est faible. Quand il est faible. Quand lui-même sait, tout le monde doit m'abandonner. Tout le monde doit me juger. C'est ça la femme à la perte des sangs. Plutôt la femme adultère. Quand elle était par terre, elle n'a même pas osé fuir. Elle avait déjà accepté son jugement. Je dois être lapidé. C'est fini pour moi. Tout le monde a dit, tu dois mourir. Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Personne n'a osé. Tout le monde est parti. Un seul était digne de jeter la pierre, Jésus. Jésus était digne de jeter la pierre.
Et celui qui devait la lapider lui dit, femme, personne ne te condamne, moi non plus. J'ai la pierre, mais je ne la jette pas. Va et ne pêche plus. Cette femme a été tenue dans la sainteté, pas par crainte, mais par amour. Chaque fois qu'elle se souvenait de Jésus, elle dit, il pouvait me tuer, mais il ne m'a pas tué. Toute ma vie, je vais garder mon cœur et mon corps pour lui. Alléluia. La Bible dit, Matthieu, Michée 7, verset 8, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. » Dis, « Je me relèverai. » Dis, « Je me relèverai. » Dis, « Je me relèverai. » Chaque fois que tu tombes, dis que tu vas te relever. Annonce le retour à Dieu, même quand tu es dans la chute. Et ce que tu déclares va devenir ta vie. Déclare toujours, je me relèverai. Même si tu es tombé, déclare toujours, c'est-à-dire, continue à croire en la capacité de Dieu de te relever quand tu es tombé. Sinon, la chute sera ta vie. Dis toujours, j'ai fait le mal, mais je ne le ferai plus. Je suis tombé, c'est la dernière fois. J'ai fait ceci, je ne le ferai plus. Tu ne dois jamais perdre l'espoir qu'un jour, tu t'en sortiras. Et c'est comme ça que tu t'en sortiras. Acclame Jésus. Alléluia. Et ce verset terrible, Michée 7, 18. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage, qui oublie l'iniquité du reste de son héritage? Dieu qui n'oublie jamais peut oublier le péché. Le jour que tu rentreras auprès de Dieu pour lui dire, Seigneur, tu te souviens quand j'étais païen? Ah, je faisais ceci. Il va dire, tu parles de quoi? Oh Dieu, quand j'étais païen, tu vois, quand je venais à l'église là-bas, j'ai dérangé les gens. Non, je ne m'en souviens pas. Oh Dieu, comment tu ne t'en souviens pas? Ben non, quand je regarde ton CV, il est blanc. Il n'y a rien. Qui croit que Dieu a oublié ses péchés? Mais pourquoi alors tu parles d'un péché dont Dieu ne se souvient plus? Pourquoi tu confesses un péché que Dieu a oublié? Pourquoi quelqu'un te prophétise et puis tu dis oui, c'est vrai? Un jour, un homme de Dieu était allé à l'école biblique. Il s'appelait Cobus, il est déjà mort en Afrique du Sud. Il va à l'école biblique et à l'école biblique, on disait qu'il fallait parler de son passé. Et dans son passé, tout le monde savait que Cobus avait fumé le chanvre. Mais quand on l'appelle, on dit, Cobus, tu ne peux pas entrer à l'école biblique. Pourquoi? Tu as menti. Comment? On t'a posé la question, ton passé. Tu n'as pas parlé du chanvre. Il a dit, oh, j'ai pas menti. Mais tu n'as pas dit, nous tous on connaît ta vie. Il dit, non, mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Le Cobus qui est ici n'a jamais fumé de chanvre. Celui-là qui est mort là, il l'a déjà. Mais celui-ci n'a jamais fait. C'est pourquoi celui-ci ne pouvait pas écrire ça. Parce qu'il n'a jamais fait ça. J'ai pas menti. J'ai dit la vérité. J'ai jamais. J'ai jamais. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il avait l'assurance que si Dieu a oublié, il a oublié. Le sang de Jésus a tout effacé. Le sang de Jésus a tout effacé. Le sang de Jésus a tout effacé. Dieu a oublié tes péchés. Quand Dieu te pardonne, il ne pardonne pas seulement, il oublie. Il oublie. Il oublie. Dites, il oublie. Dites, il oublie. Pourquoi je vais me rappeler ce que Dieu a oublié? Pourquoi je vais parler de ce dont Dieu ne pense plus? Pourquoi? La grâce. Prends ton CV et ton casier judiciaire. Brûle tout à zéro. Tu commences à zéro. Quand Dieu te regarde, c'est comme un bébé. Ah, est-ce que tu comprends ça? Non, toi, tu n'as jamais péché. Je parle aux gens qui ont déjà péché. Tout homme qui a péché aimerait que ce soit oublié. Il y a des gens, ils pêchent, ils se tapent lui-même. Toi, pourquoi tu as fait ça? Il est fâché contre lui-même. Mais Dieu te dit, j'ai pardonné, j'ai effacé. Il n'y a plus de preuves. Il n'y a plus de preuves contre toi. Il n'y a plus de preuves contre toi. Le diable ne peut pas présenter des preuves. Dieu a bombardé ton casier judiciaire devant lui. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Est-ce que tu le crois?
Ah, merci Jésus. Grâce excellente. Et pour finir, Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Dieu te lave parfaitement. Il n'y a pas un péché qui ne peut résister devant la grâce de Dieu. Que ce soit l'avortement, que ce soit la sorcellerie, que ce soit la magie, que ce soit le lesbianisme, que ce soit l'homosexualité, que ce soit le vol, que ce soit l'avortement. Jésus peut tout laver, Dieu peut tout pardonner, Dieu peut tout oublier, Dieu peut tout pardonner, Dieu peut tout oublier. Ne dis pas mon péché est plus grand, ne dis pas mon péché est plus rouge, mon péché est plus noir. Si c'est rouge, si c'est noir, tout sera rendu blanc, tout sera rendu blanc, tout sera rendu blanc, tout sera rendu blanc, tout sera rendu blanc. Lorsqu'on met les habits dans une machine à laver qui est puissante, avec un produit qui est puissant, que ce soit le jean, que ce soit le coton, que ce soit la laine, que ce soit quel tissu, tout est lavé. Quel que soit ton péché, quel que soit ton passé, quel que soit ton péché, tout est lavé. Car certains disent, lui il a menti, moi j'ai tué. Lui il a seulement volé, moi j'ai avorté. Lui il a seulement menti, moi j'étais dans l'homosexualité. Devant Dieu, tout peut être lavé, tout peut être purifié, tout peut être lavé. Devant les hommes, il y a des péchés compliqués, mais devant Dieu, tout peut être lavé, tout peut être lavé, tout peut être lavé, tout peut être lavé. C'est pourquoi au ciel, nous serons étonnés de voir certaines personnes. Je dis toujours aux Congolais, vous serez étonnés de voir Mobutu au ciel. Mobutu. Si Mobutu avant sa mort a demandé à Dieu pardon, il est au ciel. Pas dans ton ciel, le ciel de Dieu. Au ciel, nous serons étonnés. Il y aura des gens qu'on attendait voir au ciel, qu'on ne verra pas. Et des gens qu'on a dit qu'ils n'entreront pas, qu'on verra. Parce qu'en dernière minute, ils ont cru. Mais ceux qu'on pensait être justes étaient des hypocrites. S'il a pardonné Paul, pourquoi il ne va pas te pardonner? Paul a participé à la mort d'Étienne. Il est devenu un apôtre. Est-ce que toi, tu as déjà tué un homme? Et si même tu l'as tué, Dieu a pardonné à Paul. Dieu a pardonné à David. David a commis l'adultère et il a tué le mari d'autrui. Mais Dieu lui a pardonné. S'il a pardonné à David, il peut aussi te pardonner. Il a pardonné à la femme adultère. S'il lui a pardonné, il peut aussi te pardonner. Dieu n'a pas de préféré. Dieu n'a pas de préféré. Je répète, hein. Dieu n'a pas de préféré. Dieu n'a pas de préféré. Mes frères, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Mais si je vous raconte ce que j'ai fait avant de me convertir, je suis indigne d'être pasteur, d'être serviteur de Dieu. Mais c'est moi qui l'a fait grâce. Car là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Là où le péché abonde, la grâce... Moi, je te prêche la Bible. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Moïse a tué, mais il est devenu prophète. Dans la généalogie de Jésus, il y a une prostituée et il y a une femme qui est sortie de l'inceste. Rahab était une prostituée. Ruth est sortie de l'inceste. Mais les deux sont parmi les ancêtres de Jésus. Parmi les femmes dont parle la généalogie de Jésus, il y a une femme qui est sortie des relations entre une fille et son père. Lot a couché avec ses filles et ça a donné les Moabites. Ruth est sortie des Moabites. Rahab était la prostituée de Jéricho. Mais elle est entrée dans la généalogie. Toi qui es dit fumeur, débauché, sorcier, il y a un plan de Dieu dans ta vie. Il y a un plan de Dieu dans ta vie. Il y a un plan de Dieu dans ta vie. Marie de Magdala est devenue une puissante servante de Dieu. Une femme prostituée s'est approchée de Jésus, repentie. Elle a essuyé ses pieds avec ses larmes. Elle a essuyé avec ses cheveux. Jésus n'a pas dit, va-t'en là-bas avec tes cheveux de prostituée. Jésus l'a laissé faire parce qu'elle était repentie.
que personne ne te ferme le chemin du ciel. Que personne ne te dise que Dieu n'est qu'à lui. Dieu est à nous tous, Dieu est à nous tous, Dieu est à nous tous, Dieu est à nous tous. Oh, donne-moi l'amen. Un jour, un homme de Dieu invite son ami. Il dit, homme de Dieu, viens prêcher chez moi. Mais ce frère-là, et celui-là, et celui-là. Non, je ne peux pas. Ils vont rendre impur l'église. Il a dit, oh, elle est déjà impure parce que moi je suis là. Pour lui dire quoi? Même lorsque nous atteignons notre plus haut niveau de sainteté, c'est un habit sué devant Dieu. Aujourd'hui, j'ai fait une expérience, mes frères. Chaque matin, je brosse ma barbe et je l'arrange. Alors, j'utilisais le miroir de la salle de bain. Il me montrait que tout était bon. Et tout d'un coup, j'entre dans l'ascenseur qui a grandi. Oh, j'ai vu que ma barbe était bizarre. J'ai dit, oh, ce miroir me dit que tout va bien. Celui-ci me dit que tout va mal. J'ai dit non, j'ai un autre miroir dans la salle de bain. Lui, il a grandi. Vous savez, il y a ces miroirs-là dans les salles de bain qui sont comme des loupes. Bien aimé, j'ai regardé ma barbe à la loupe. J'ai arrangé. J'arrêtais pas. Dieu me dit, mon fils, laisse. Tu vas tout enlever. C'est une loupe qui cherche que les défauts. Va prêcher seulement. Et je suis venu en toute humilité. C'est-à-dire que même si tu me fais des compliments de ma barbe, moi-même je sais que la loupe a vu. Nous les hommes, on a des miroirs normaux, mais Dieu a la loupe. Quand les hommes disent humble, Dieu sait que tu as l'orgueil de l'humilité, loupe. Homme de prière, Dieu sait que quand toi tu dis homme de prière, une heure du temps tu pries avec incrédulité. C'est seulement la dernière minute que tu as la foi. Mais on dit, oh crainte de Dieu, sois humble, il y a une loupe. Vous savez pourquoi cela? Pour qu'au ciel, qu'il n'y ait qu'un seul nom qui sera glorifié. Jésus. 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 La star du ciel, c'est Jésus. Le nom qui sera cité au ciel, c'est Jésus. Dieu a renfermé tout le monde dans l'imperfection afin que personne ne se glorifie et que le salut ne soit que par la foi. Nos œuvres sont imparfaites, mais Jésus est parfait. Le nom qui sera célébré, ce n'est pas le nom d'une église, ni le nom d'un pasteur. Et personne ne dira, moi je mérite d'entrer au ciel. Mais tout le monde dira, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Ils sont justifiés gratuitement. Grâce à la rédemption en Jésus-Christ. Donne-moi la main. Pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin d'eux. Chaque fois qu'on prêche la grâce, il faut le dire. Parce que l'enseignement de la grâce, lorsqu'il n'est pas équilibré par des freins à main, ça devient une Ferrari sans frein. Partout on prêche la grâce, il faut équilibrer. Parce que quand la grâce est prêchée sans un équilibre, ça peut pousser au laxisme. Même si je pêche, Dieu m'aime. Même si je fais, Dieu m'aime. Dis à ton voisin, assis-toi maintenant que j'équilibre pour qu'on finisse. Mes frères et sœurs, la Bible dit, celui, Proverbe 28, verset 13, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. Et les délaisse. Si tu veux être pardonné, tu dois avouer, pas seulement avouer, tu dois délaisser. Ce n'est pas parce que Dieu pardonne qu'on doit jouer avec la grâce de Dieu. Les gens font ceci, que Dieu me pardonne ce que je vais te faire demain. Tu télécharges déjà le sang de Jésus que tu vas utiliser demain. Tu vois ça? Seigneur, c'est une faiblesse que j'ai. Même mon père là, accepte-moi comme je suis. Ce n'est pas parce que Dieu pardonne qu'il faut pécher pour qu'il pardonne. Qui d'entre vous, parce qu'il a un pneu de réserve, recherche des épines? Qui d'entre vous, parce qu'il a un pneu de réserve, cherche à crever son pneu pour le changer? Ce n'est pas parce que Dieu pardonne que nous devons utiliser le sang de Jésus comme une douche.
pardon. Tu ne veux pas changer, pardon, non. Dieu pardonne celui qui veut changer. Celui qui reconnaît mais a la volonté de changer, d'abandonner. Mais si ton pardon, c'est une information, frère, Dieu savait déjà. Seigneur, pardonne-moi, je suis avec le mari d'autrui. Oui, je le savais. Et tu dis quoi? Pardonne seulement. Oh non, tu le quittes. Non, je ne le quitte pas, pardonne. Tu as dit, tu pardonnes. Oui, tu confesses, mais tu délaisses. Tu es comme un singe. Ta main est dans un bocal parce que tu veux la graine. On te dit, ok, nous te laissons. Libre, on ne va pas t'enfermer. Lâche la graine et va-t'en. Non, laissez-moi partir avec la graine. Mais si tu vas avec la graine, tu vas avec le bocal. Tu veux la liberté? Lâche la graine. Toute confession sans désir de changer est une information à celui qui connaît tout. Faites attention à tous ces enseignements de la grâce que vous entendez. Après, vous perdez la crainte de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La connaissance de la grâce amène la gratitude et la reconnaissance qui amène la sanctification. Je répète, la connaissance de la grâce amène la gratitude, la reconnaissance et la sanctification. La Bible nous dit que la grâce nous enseigne à renoncer aux impiétés et aux convoitises mondaines. La grâce enseigne la sainteté. La grâce enseigne la crainte de Dieu. La grâce enseigne la pureté. Et c'est vrai. Je me rends compte que tu es mort pour le mal que je fais. Et tu me donnes gratuitement la liberté. Par reconnaissance et par amour pour toi. Est-ce que je vais commettre à nouveau les choses qui t'ont tué? Une grâce qui pousse au mal, au laxisme, au désordre, est une grâce mal comprise. L'apôtre de la grâce, Paul, parlait disant, « Je traite durement mon corps, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. » L'apôtre de la grâce, servait Dieu avec crainte et tremblement. L'apôtre de la grâce, servait Dieu avec crainte et tremblement. Lorsqu'au nom de la grâce, tu ne sers plus Dieu avec crainte et tremblement. Tu es supérieur à Paul. Cet équilibre m'amène à ceci. Je ne crois pas que mes œuvres vont me sauver. Mais si j'ai la vraie foi se démontre par les œuvres. La vraie foi se démontre par les œuvres. Car la foi sans les œuvres, c'est comme un corps sans âme. Ce corps sans mauvais. Une foi sans œuvre pue. Une foi sans œuvre pue comme un cadavre. Quand tu as la foi sans les œuvres, ta foi est puante. Elle est morte, elle est fausse. La vraie foi ne nous laisse pas oisifs par rapport à la grâce de Dieu, mais nous amène à porter des fruits. Si j'aime une personne, rien que mon amour pour ma femme, mon amour pour ma femme m'amène à dire non aux autres femmes, une personne. Maintenant, mon amour pour Jésus va me pousser chez les diables. Hein? Vous voyez ces enseignements-là? Tu aimes ta femme et ça fait que tu es fidèle à ta femme. Maintenant, toi, tu dis que tu aimes Dieu, mais ça te pousse vers Satan. Non-sens. Non-sens. Ça n'a pas de sens. Les hommes qui ont compris la grâce ne jouent pas avec la grâce. Les gens qui ont compris l'œuvre de la croix ne crucifient pas Jésus pour la seconde fois. Quand on vous prêche la grâce, on ne vous prêche pas le laxisme. On vous prêche la foi et la gratitude. La foi et la gratitude. Parce que la grâce se reçoit avec foi et gratitude. Et dans la gratitude, il y a la sainteté, il y a la pureté. Je me sanctifie non pas pour mériter mon salut, mais pour dire merci. Je ne me sanctifie pas pour mériter le salut, mais pour dire merci à Jésus de m'avoir pardonné, d'être mort à ma place. Et je lui offre ma vie comme un sacrifice vivant. Et quand j'offre ma vie comme un sacrifice vivant,
je n'ai plus une vie de débauche et de péché. C'est cet équilibre qui fera que tu seras profond dans la grâce et profond dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ta fidélité est incomparable, il est comme toi, mon Seigneur. Grand est ta fidélité, oh oui, ta fidélité, ta fidélité. Seigneur Dieu de gloire, révèle-nous le mystère de la grâce. Révèle-nous l'équilibre. Révèle-nous, Seigneur, ces choses que notre intelligence ne peut capter. Délivre-nous de la méritocratie, mais aussi de laxisme. Car ces deux choses à la fois attaquent la grâce. Délivre-nous de la méritocratie. Délivre-nous également du laxisme. Nous n'avons rien mérité. Tu as tout fait pour nous. Nous libérons notre foi dans ta parole et nous demandons un cœur reconnaissant et rempli de gratitude. Nous prions, Père éternel, pour quiconque ici est rongé par la culpabilité, qui est même découragé, qui ne croit plus qu'il peut vaincre le péché. Seigneur, je prie qu'une œuvre salvatrice ait lieu dans son cœur et dans sa vie. Seigneur, tu as dit tellement de choses. Je prie que l'action de ton esprit opère dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos cœurs, afin de rendre effective cette parole. Seigneur, ne permet pas à Satan de voler ce message et qu'il demeure gravé dans nos cœurs. Oh Dieu, guéris les blessures intérieures d'un homme qui a péché, d'une femme qui a péché. Que Dieu te libère de la culpabilité au nom de Jésus. Sois libéré de l'oppression au nom de Jésus. Sois libéré de toute pensée de suicide au nom de Jésus. Sois libéré de l'auto-sabotage au nom de Jésus. Sois libéré de tout laxisme au nom de Jésus. De toute méritocratie au nom de Jésus. Merci Père, car tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur, waouh, quel message! Si tu es d'accord que nous avons reçu un message
bénissant, renversant, qui remet en cause et qui délivre. Est-ce que tu peux acclamer plus fort le Seigneur? Seigneur, nous te bénissons parce qu'en même temps que tu nous as édifiés, tu nous as délivrés du laisser-aller, du laxisme. Tu nous as délivrés, tu continues de nous délivrer de la méritocratie, Seigneur. Merci parce que nous démissionnons complètement de la loi pour épouser la grâce afin que, Seigneur, nous soyons à l'image et à la ressemblance de Christ. Quelqu'un dit amen. Amen. Maintenant, je veux poser une question à quelqu'un. Après un tel message, qu'est-ce qu'on fait? À ton avis? À ton avis? Une offrande qui soit comment? Une offrande de grâce. Et une offrande de grâce comme on a reçu beaucoup par grâce.